Ecologia, une coopérative pour un monde en transition. Ecologia a été conçue pour permettre aux citoyens comme personnes morales de se mettre en synergie pour faire des projets sur des territoires. Donc le principe est très simple, c'est des groupes autogérés à laquelle participent les citoyens et les personnes morales pour discuter sur un thème et ou sur un territoire, c'est-à-dire que soit ils ont un thème général, soit ils ont un territoire, soit ils ont les deux et aucun des deux n'est exclusif, c'est-à-dire que deux personnes, deux groupes sur le même territoire sont possibles, etc., etc. Non-violence dans la communication entre les groupes. Ensuite, les groupes partagent leur savoir-faire, leur expérience, leurs erreurs, les élus à contacter, les personnes physiques, des personnes morales comme les ONG ou comme les entreprises qui ont pu les aider à accomplir leur projet. Et ensuite, ces groupes communiquent ensemble et par exemple, un groupe qui arrive dans Ecologia, dans le réseau Ecologia, va trouver sur son thème, sur son territoire, toutes les associations, toutes les personnes morales ou tous les autres groupes déjà existants qui traitent du sujet pour ne pas refaire deux fois la même chose, pour converger vers des actions communes, pour faire des actions de plus grande ampleur au lieu de faire plein de petites actions, on va en faire des grosses, mais non pas pilotées par des instances dirigeantes ou des instances qui ne respectent pas les démocraties internes, mais vraiment pour soit en autogestion, en émergence. Et Ecologia est un support, Ecologia est un soutien, Ecologia est un facilitateur pour toutes ces actions-là. Et Ecologia n'est pas un initiateur d'action, il laisse les groupes s'autogérer, se construire et construire de même leur action. En interne, ça fonctionne en démocratie liquide, en démocratie semi-directe, c'est-à-dire que d'abord, autogestion totale dans les groupes, et ensuite, s'il y a des coordinations, et c'est conçu pour avoir des coordinations pour pouvoir coordonner plusieurs groupes ensemble, dans ce cas-là, les groupes donnent un mandat à la coordination, et le seul lien qui est entre les deux, c'est un coordinateur, ce n'est pas un chef, qui est élu sans candidat, ou qui est tiré au sort pour faire partie de cette coordination. Les deux autres systèmes, c'est les administrateurs qui sont là pour faciliter tout ça, le fonctionnement, faire marcher les rouages, et le comité d'éthique qui est là pour faire tout ce qui est vérification qu'on respecte bien la charte qui a été conçue à plusieurs dizaines de personnes. Notamment, on retrouve démocratie réelle qui est inscrit et donc qui fait partie de ce fonctionnement. C'est un fonctionnement aussi coopératif, c'est-à-dire une personne, une voix, c'est-à-dire un groupe, enfin un groupe sur un thème ou un groupe sur un pays ou un groupe sur un village finalement a autant de place dans la coordination, c'est une voix. Et donc un système donc démocratique, sociocratique et coopératif. Ecologia, une coopérative pour un monde en transition.